J'avais une question à poser, comme ça, qui était, il y a quelqu'un qui a écrit à propos de Debussy, que Debussy avait une conception relative et irréversible du temps musical. Vous connaissez l'auteur de cette phrase, je suppose ? Oui, puisque c'est vous. Bon, alors la question que je voulais poser, c'était, au fond, je crois qu'on n'a jamais prononcé le nom de Debussy. Or, dans vos œuvres, je crois que c'est tout de même une chose, finalement, non pas un lieu commun, mais enfin, c'est accepté finalement dans l'histoire ou la conscience de la musique contemporaine que le temps chez Debussy et l'expérience de temps musical chez Debussy a tout de même été nucléaire dans cette histoire. Oui, certainement, c'est la première fois, je crois, chez lui, en particulier dans certaines œuvres de la fin de son existence, que le temps ne revient pas en arrière. En réalité, ce n'est pas tout à fait la première fois. Je crois que la première fois que le temps n'est pas revenu en arrière, mais c'est dans une circonstance dramatique, je veux dire, dans une circonstance dramatique en tant que telle, mais dans la circonstance du drame, c'est avec Wagner. C'est la première fois que le texte musical n'a jamais fait appel, par exemple, aux artifices d'architecture comme il était le cas dans la musique classique. La musique classique joue en effet sur l'architecture à mémoire, c'est-à-dire que vous avez une forme, une structure, une architecture qui se base sur la mémoire. Il y a en effet, si vous voulez, un exposé qui est même quelquefois répété pour que la mémoire l'enregistre bien. Ensuite, vous avez une période, disons, plus chaotique que la mémoire n'a pas enregistrée d'une façon aussi formelle. Et puis, vous avez un retour aux éléments de l'exposé qui rétablissent donc cette sécurité où la mémoire joue son rôle. Alors, dans Wagner, par exemple, la mémoire joue encore un rôle très précis parce que vous avez ce qu'on appelle les leitmotifs, et même si on ne sait pas exactement la direction du discours, viennent vous rassurer par ces phénomènes de mémoire et d'information par la mémoire, vous informer sur cette direction, les leitmotifs qu'on joue. Et alors, dans Debussy, et en plus de ça, ceci est lié à une action dramatique. Donc, l'action dramatique prend en charge aussi une grande partie de la structure formelle de la musique. Dans Debussy, au contraire, je ne parle pas de Pélias, mais je parle des œuvres, par exemple, comme Jeu, ou dans certaines œuvres de la fin, comme Sonate pour flûte, piano et harpe, ou bien les études. Il y a, au contraire, une espèce de temps, ce que j'ai appelé une fois dans un écrit, je crois, un temps tissé. C'est-à-dire qu'il y a un temps tressé, exactement. Il y a un temps qui ne revient pas en arrière et qui simplement rappelle, remet dans un contexte complètement différent des éléments communs. Et ces éléments sont quelquefois à peine reconnaissables tellement le contexte est changé ou tellement la personnalité du motif a été tirée vers un autre aspect possible. Et c'est en ce sens-là que le temps de Debussy est vraiment un espèce de temps à la fois, comme je l'appelle, tissé et irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de retour et d'appel à la mémoire. C'est une espèce de... Dans Debussy, pour la première fois, on voit faire appel à une mémoire virtuelle et non plus à une mémoire réelle, comme c'est encore le cas dans Wagner. Alors ce cas de mémoire virtuelle s'est développé beaucoup donc, avec la musique actuelle et la musique depuis 50 ans, 60 ans même, je ne parle pas de la musique toute récente, mais ce n'est plus une mémoire sur des objets réels, mais sur des objets, c'est une mémoire virtuelle sur des objets qui sont semblables, que vous reconnaissez de la même famille, mais qui ne sont pas pourtant pour cela identiques. Nous pouvons passer maintenant alors, si vous voulez, à notre second volet de la soirée, et c'est Gilles Deleuze qui va parler, et qui va parler, si je ne dévoile pas vos projets, ou si vous les contredisez, vous me le direz, qui va parler surtout du développement et surtout de la non-coïncidence, ou en tout cas du jeu qui peut s'établir entre l'impact qu'a eu sur lui ses analyses et ses rencontres avec des œuvres, et ses rencontres avec même, si vous voulez, l'espace intérieur de ses œuvres, et quel phénomène de réfraction ou de diffraction ça a pu jouer par rapport à sa pensée. Oui. Ah non, c'est pas. Mais tout le temps. Oui, c'est la question pourquoi nous, non-musiciens, nous sommes là. Sur cette question, je voudrais faire une première remarque concernant la méthode employée. C'est que Pierre Boulez a choisi donc cinq œuvres musicales.
Les rapports entre ces œuvres, évidemment, ne sont pas des rapports de filiation ni de dépendance. Bien plus, il n'y a pas progression ou évolution de l'une de ces œuvres à une autre. C'est plutôt comme si les cinq œuvres, mettons, semi-aléatoirement choisies, mais seulement semi, faisaient un cycle. Que dans ce cycle, elles entraient dans des réactions, l'une par rapport à l'autre. En d'autres termes, dans ce cycle se tissait un ensemble de rapports virtuels entre ces œuvres. Et dans ces conditions pouvait se dégager un profil particulier de temps musical. Profil particulier du temps musical qui ne valait que pour ces cinq œuvres. On aurait pu très bien concevoir que Pierre Boulez choisisse quatre ou cinq autres œuvres. Je dis au hasard, ça ne l'engage pas. Bartok, une œuvre de Bartok, une de Stravinsky, une de Varèse, une de Berlioz. On aurait eu un autre cycle. Des réactions d'une œuvre à l'autre, des rapports virtuels. On aurait pu dégager à partir de ce cycle-là un autre profil également singulier du temps musical, ou le profil singulier d'une autre variable que celle du temps. Je dis donc, ce qui me paraît déjà très intéressant pour nous dans une telle méthode, c'est que ce n'est pas du tout une méthode de généralisation. Il ne s'agit pas à partir d'œuvres prises comme exemples musicaux, de s'élever vers un concept abstrait du temps, dont on pourrait dire « voilà ce qu'est le temps musical ». Il s'agit à partir de cycles restreints, déterminés dans certaines conditions, d'extraire des profils particuliers de temps, quitte là-dessus à superposer ces profils, à faire une véritable cartographie des variables. Or, peut-être que cette méthode, elle concerne la musique et puis qu'elle concerne mille autres choses. Dans le cas précis du cycle choisi par Boulez, il semblait que le profil particulier de temps, qui ne prétendait pas du tout épuiser la question du temps musical en général, le profil particulier qui se dégageait, c'était une chose assez curieuse. Comment d'un temps pulsé se dégage une sorte de temps non pulsé, quitte à ce que le temps non pulsé revienne à une nouvelle forme de pulsation. Et en effet, l'œuvre numéro 1, Ligeti, montrait comment, à travers une certaine pulsation, montait un temps non pulsé. Les œuvres 2, 3 et 4 développaient ou montraient des aspects différents de ce temps non pulsé supposé. La dernière œuvre, l'œuvre 5 de Carter, montrer comment, à partir d'un temps non pulsé, on retrouvait une nouvelle forme de pulsation, originale, très particulière, très nouvelle. Eh bien, pour moi, là, c'est temps non pulsé, je me dis, bien sûr, c'est musical et c'est complètement musical, et c'est aussi complètement autre chose. Alors, la question, ce serait de savoir, si on avait le temps, en quoi consiste au juste ce temps non pulsé, cette espèce de temps à la lettre flottant, qui correspond à peu près à ce que Proust appelait un peu de temps à l'état pur. Le caractère le plus évident, le plus immédiat, c'est qu'un tel temps dit non pulsé, c'est une durée. C'est-à-dire, c'est un temps libéré de la mesure. Que la mesure soit régulière ou irrégulière, qu'elle soit simple ou complexe. Un temps non pulsé, donc, il me semble, nous met d'abord et avant tout en présence d'une multiplicité de durées hétérochrones, qualitatives, non coïncidentes, non communicantes. Dès lors, on voit bien le problème musical, ou autre chose que musical, à savoir comment ces durées hétérochrones, hétérogènes, multiples, non coïncidentes, comment vont-elles s'articuler ? Puisque, de toute évidence, on s'est privé
du recours à la solution la plus générale, laquelle solution la plus générale classique consiste à confier à l'esprit le soin d'imposer une mesure commune ou une cadence métrique à toutes ses durées vitales. Puisque, dès le départ du problème, musical ou autre, cette solution est bouchée, dans quelle direction allons-nous ? Non, je ne sais pas, quitte à aller tout à fait dans un autre domaine. Je pense que, actuellement, quand les biologistes parlent des rythmes vitaux, ils rencontrent des questions analogues. Ils ont fini de croire, eux aussi, que des rythmes hétérogènes puissent s'articuler en entrant sous la domination d'une espèce de forme unifiante. Et les articulations entre rythmes vitaux ont besoin de mêmes périodes. Par exemple, des rythmes de 24 heures. Ils ne les cherchent pas du tout du côté d'une forme supérieure qui les unifierait, ni même du côté d'une séquence régulière ou irrégulière de processus élémentaires. Ils la cherchent tout à fait ailleurs. Ils la cherchent à un niveau subvital, infravital. Dans ce qu'ils appellent, ils ont un très joli nom pour ça, que ce soit le premier mot technique, mais justement, il n'est pas musical, ils l'appellent une population d'oscillateurs moléculaires qui vont en quelque sorte traverser, qui seront capables de traverser des systèmes très hétérogènes et des rythmes très hétérochromes, comme des molécules oscillantes mises en couplage qui dès lors traverseraient des systèmes et des durées complètement hétérogènes. Vous voyez que la mise en articulation là ne dépend pas d'une forme unifiante ou unificative, ni métrique, ni de cadence, ni de mesure quelconque régulière ou irrégulière, mais de l'action de certains couples moléculaires ou même d'une population moléculaire lâchée à travers des couches différentes, des rythmicités différentes. Supposons ça. C'est pas par métaphore que l'on peut dire, je crois, qu'une des grandes découvertes de la musique relativement récente a été précisément la découverte, plutôt que de notes et de tons purs, y substituer la notion de molécules sonores. Et de molécules sonores en couplage, capables de traverser des couches de rythmicité, des couches de durée, tout à fait hétérogènes. Voilà donc, il me semble, ce que serait ou ce que pourrait être la première détermination d'un temps non pulsé. Pas tout de suite, je crois qu'il vaut mieux attendre que M. Deleuze fasse son exposé avant. Oui, mais même très rapidement, nous aurons... Écoutez, je vous en prie, n'interrompez pas, laissez donc M. Deleuze finir son exposé d'abord. S'il vous plaît, M. Deleuze, pourquoi vous employez un langage si compliqué ? J'y comprends rien du tout, vous ne pouvez pas parler simple. Je vais vous dire. Mais alors partez si vous n'y comprenez rien, coulez-vous. Il n'y a pas à être coupé du passé, hein. Il faut vivre, je veux dire, dans le présent. Et le présent maintenant, c'est également le même présent qu'il y avait dans le passé. Ce sera exactement ce même présent qu'il y aura maintenant. Et il y a donc des gens qui font la musique de Mozart, de Beethoven, etc. Extraordinaire. Maintenant, je vais faire bon. Pourquoi pas, mais les arbres, le soleil. Écoutez, je crois, monsieur, que ça suffit maintenant, vraiment. Ça suffit. Si c'est pour dire les banalités que vous dites, vraiment, c'est pas la peine d'insister, je trouve. Ce ne sont pas de banalités. Laissez-le parler. Ah non,
non, ça, je filme. Alors, moi, je crois que je vais montrer que j'ai compris, tout à fait compris, ce qu'il vient de dire. Parce que mon deuxième point, il est très, 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 très simple. Très simple. Je crois, mais je sens que je vais être interrompu parce qu'il sera trop simple. Je dis, un second caractère éventuel du temps non pulsé. Je pense qu'il aurait un rapport très étroit avec les phénomènes d'individuation. Parce que les phénomènes d'individuation ont eux-mêmes avec le temps des relations très variables. Nous connaissons tous un type d'individuation, c'est le plus courant, c'est même celui, le régime de celui sous lequel nous vivons, qui se fait à la fois par forme, spécification d'une forme et assignation d'un sujet. À savoir, moi, un autre, quelqu'un ayant une forme. Et cette forme est assignée dans des conditions qui produisent l'individuation, qui font l'individuation. Nous savons tous aussi qu'il y a des individuations beaucoup plus paradoxales. Je veux dire d'un autre type, qui ne répondent pas à l'ensemble forme-sujet, qui sont beaucoup plus des individuations du type d'un lieu, un paysage, une journée, une heure de la journée. Si je dis quelle terrible 7h05, là je parle concret, très, quelle terrible 7h05. Un paysage, une heure, etc. Il y a un certain type d'individuation, là, qui ne se ramène pas au jeu conjugué d'une forme et d'un sujet. C'est une individuation du type paysage, ou bien événement, ou bien heure, ou bien presque température. J'ai le sentiment que le problème de l'individuation en musique, qui est très très compliqué, sûrement, est plutôt du type de ces secondes individuations paradoxales que du type des premières. Par exemple, qu'est-ce qu'on appelle l'individuation d'une phrase, d'une petite phrase en musique? Et en quel sens l'individuation musicale dans son rapport avec le temps est plus en rapport avec le second type, beaucoup plus bizarre, qu'avec le premier type opérant par forme et sujet, je voudrais presque partir du niveau le plus bas, le plus rudimentaire ou le plus facile en apparence. Il arrive qu'une musique nous rappelle un paysage. Il arrive qu'une musique évoque un paysage. Le cas célèbre de Swann dans La recherche du temps perdu, entendant la petite phrase de Vinteuil, et elle évoque pour lui le bois de Boulogne. Il arrive aussi que des sons évoquent des couleurs, soit par association, soit par des phénomènes dits de synesthésie. Il arrive même que des motifs dans des opéras soient liés à des personnages. Par exemple, un motif wagnérien qui est censé renvoyer à un personnage. Je ne pense pas que l'on puisse dire que ce mode d'écoute de la musique, on peut dire qu'il est insuffisant, mais dire qu'il est nul ou sans intérêt, ce serait injuste. Peut-être même qu'à un certain niveau ou à un certain niveau de détente, il faut en passer par là. Mais en passer par là, pourquoi ? C'est qu'à un niveau plus tendu, ce n'est pas le son qui renvoie un paysage, mais c'est la musique elle-même qui enveloppe un paysage proprement sonore qui lui est intérieur. Je pense par exemple, même avec l'ambiguïté des deux niveaux, que chez Liszt, il y a cet aspect. Comment le son peut renvoyer un paysage extérieur et en même temps comment un paysage sonore devient intérieur,
la musique de Liszt. On pourrait en dire autant pour la notion de couleur. On pourrait considérer le rapport son-couleur tantôt comme une simple association, mais aussi on peut considérer que les durées, les rythmes, les timbres à plus forte raison sont en eux-mêmes des couleurs proprement sonores, qui viennent se superposer aux couleurs visibles et qui n'ont pas les mêmes vitesses ni les mêmes passages que les couleurs visibles. On en dirait encore autant, il me semble, d'une troisième notion, celle de personnage. On peut considérer dans l'opéra certains motifs en association avec un personnage. Par exemple, comme dans une première audition de Wagner. Mais Boulez a très bien montré comment les motifs chez Wagner ne s'associent pas seulement à un personnage extérieur, mais se transforment, ont une vie autonome dans un temps flottant non pulsé, où ils devenaient eux-mêmes et par eux-mêmes des personnages intérieurs à la musique. Ces trois notions très différentes de paysage sonore, de couleur audible, de personnage rythmique, m'apparaissent précisément les produits par lesquels un temps non pulsé produit ces individuations d'un type très très particulier. Je voudrais enfin terminer sur une remarque encore plus générale et très rapide. C'est que nous sommes amenés, je crois, de toutes parts, à ne plus penser en termes de matière-forme. Au point même que la hiérarchie qui irait du simple au complexe, matière-vie-esprit, nous avons cessé d'y croire dans tous les domaines. On peut même penser que la vie serait plutôt une simplification de la matière. On peut penser que les rythmes vitaux, comme je y faisais allusion tout à l'heure, ne trouvent pas leur unité dans une, ou leur unification dans une forme spirituelle, mais au contraire, dans des couplages moléculaires. Donc, toute cette hiérarchie matière-forme, une matière plus ou moins rudimentaire et une forme sonore plus ou moins savante, est-ce que c'est pas ça que nous avons à la fois cessé d'entendre et que les compositeurs ont cessé de produire? Et quoi à la place? Peut-être qu'à la place, ce qui est venu, c'est l'idée d'un matériau sonore très élaboré. Il ne s'agit plus d'une matière rudimentaire qui recevrait une forme, c'est plus ça le couple. Le couplage, c'est entre un matériau sonore très élaboré et d'autre part, des forces qui par elles-mêmes ne sont pas sonores, non pas des formes, mais des forces qui par elles-mêmes ne sont pas sonores, et qui deviennent sonores ou audibles par le matériau qui les rend appréciables. Là, je pourrais en effet, pour enchaîner à quelque chose qui a été dit tout à l'heure, penser par exemple à la partie de Debussy qui s'appelle « Dialogue du vent et de la mer ». Où là, un matériau sonore très élaboré est pris comme par deux forces. Dans l'exemple 3, je crois, qui était l'œuvre de Messiaen, dans le cycle proposé par Boulez, le matériau sonore aussi était là pour rendre audible une force qui n'est pas audible en elle-même, à savoir le temps, la durée et même l'intensité, qui n'est pas en elle-même un phénomène sonore. De même, dans l'œuvre de Boulez, Éclat, tout le matériau sonore très élaboré avec l'extinction des sons était fait pour rendre sensible et audible deux temps eux-mêmes non sonores, définis l'un comme le temps de la production en général et l'autre le temps de la méditation en général. Donc, si vous voulez, au couple, matière relativement simple, forme sonore qui informerait cette matière. Il me semble que de plus en plus,
on a mis l'accent, on a substitué un autre couplage entre un matériau très élaboré en tant que matériau et des forces imperceptibles qui ne deviennent perceptibles que par ce matériau et qui ne deviennent appréciables que par ce matériau. Et c'est alors en sens qu'à la limite, on pourrait dire, la musique au moins n'est pas seulement, elle n'est pas seulement l'affaire des musiciens, dans la mesure où la musique n'a pas pour élément exclusif ou fondamental le son. Elle a pour élément l'ensemble des forces non sonores que le matériau sonore élaboré par le compositeur va rendre perceptible de telle manière que l'on pourra même percevoir les différences entre ces forces, tout le jeu différentiel de ces forces. Alors je me dis à la limite, si bien que la vraie nouveauté en musique, c'était déjà vrai, tout ce travail du matériau très très élaboré au service de forces non sonores, ça a traversé toute la musique traditionnelle, il n'y a pas lieu de faire une coupure. Il y aurait plutôt lieu de dire qu'il y a eu un immense bouillonnement à la fin du 19e et au début du 20e. Qui ne passe pas forcément par la musique atonale, ni par la musique sérielle, qui passe plutôt par toutes les tentatives créatrices pour libérer le chromatisme, pour se libérer du tempérament, et qui ont donné dans toutes les directions des inventions à la fois du type moléculaire, des inventions aussi dans se rendre perceptible des forces qui par elles-mêmes ne sont pas sonores, dans l'élaboration d'un matériau sonore complexe. Et je me dis enfin, mais est-ce que d'une certaine manière, on n'est pas tous devant des tâches un peu semblables? Je pourrais dire de la philosophie aussi, par exemple, que d'une certaine manière, on pourrait dire la philosophie classique, c'est quoi? C'est, on se donne une espèce de matière rudimentaire de pensée, comme un flux de pensée. Et puis faire de la philosophie, ce serait informer cette matière, c'est-à-dire établir des formes pensées, des formes de pensée, que les philosophes appellent des concepts ou des catégories. Mais de tout temps, les philosophes, ils ont aussi marché autrement. C'est-à-dire, ils ont cherché à élaborer un matériau de pensée, pas une matière simple, un matériau de pensée très complexe, pour rendre pensable des forces qui ne sont pas pensables par elles-mêmes. Alors c'est un peu comme si on disait en musique qu'il n'y a pas d'oreille absolue. Le problème, c'est d'avoir une oreille impossible. Rendre audible par un matériau complexe des forces qui ne seraient pas audibles en elles-mêmes. En philosophie, il ne s'agit pas d'une oreille impossible, d'une pensée impossible, c'est-à-dire rendre pensable par un matériau de pensée très complexe des forces qui ne seraient pas. Ensemble, je crois que nous avons tant à apprendre de la musique parce qu'elle est très très en avance.